Salut à tous, c'est Blaster. Salut à tous, ici Smash You. Nous voilà pour l'épisode numéro 12. 12, c'est ça. De Pokémon Colosseum, on était au Mont Bataille. Mont-Bataille. Est quasiment arrivé au 10ème, qu'est-ce qu'il y a? C'était le combat du stall, on s'est bien fait chier. Ouais. Et là, là on va soigner nos pokés et yes. On va enchaîner sur le combat numéro 9. La petite super popo, la petite super potion. La petite super potion. Ah, il en fait que 4 quand même. Ouais. Ouais, il va pas falloir faire les fifous quand même. Non. Bah, démonter, il s'est pris l'onde de choc là. Par ouais, celle-là. C'est chaud. Sachant que là, les Pokémon du Mont Bataille sont assez élevés en niveau. Bah ouais, surtout parce qu'on peut pas level up quoi. Comme on a que des Pokémon obscurs qui level up pas parce qu'il faut les purifier pour qu'ils chopent leur expérience, bah on galère. Donc allez, on y va pour le 9. Ah, et Dakimi il est là-haut, regarde, on voit son bout de patte là. On voit son boule. On voit son boule. Ah ouais, je crois que je me souviens un peu de sa gueule. Ouais, c'est un espèce de yogi à yoga. Ouais, avec un peu la Dragon Ball de personnage. Ouais, carrément, c'est vrai. Racaillou. Une petite racaille, deux racailles, on a bulle d'eau là, ça va, ça va être cool. Ah oh, oui. On a la bulle d'eau. Merde, on a pas regardé la nature de Titon. Ah mince, c'est vrai. Bon bah, on verra après ce combat là. Ouais. On va le purifier de toute façon, histoire de. Allez, bulle d'eau. Bulle d'eau, ils vont pas aimer. Voilà, on regarde tout de suite sa nature, qu'on sache si on l'entraîne. Merde. Résumé. Pudic. C'est neutre. Bon bah. Est-ce qu'on garde ou quoi? Pudic, c'est neutre. C'est neutre, un Altaria, moi ça me branche bien. Bah ouais, ouais. Sachant qu'il y aura du physique, il y aura du spé. Ouais, allez, on garde. On aura Altaria dans l'équipe, un Pokémon type dragon. Ouais. Jusqu'à nouvelle heure. Oui, bien sûr. Boum. Ah bah ouais, c'est du faiblesse x4, ça. Ça a pas de défense spéciale, Racaillou, du coup ça fait très mal. Sablero. Et c'est un Sablero. Bon bah lui, d'accord. En mode hyper. Ok, d'accord, destruction. Titon va prendre cher. Okay. Oh, comment ça fait mal. Ok, d'accord. Temps, il va tuer son Sablero, il va prendre cher. Il va pas mourir, mais il va prendre cher. Ouais. Non, mais le Titon est déboîté aussi. Ah oui. Ok, d'accord. Au calme, à la fraîche. Donc là, ce qui est chiant, c'est que niveau expérience, bah ça va, parce que le Sablero est pas mort. Bah envoie Meditica, tiens. Ouais. Et du coup, voilà. De toute façon, on va aller se soigner, on va redescendre, on va faire un œuf. Ouais, il nous reste que deux rappels. Ah ouais, c'est clair. Alors là, ça va être compliqué quand même. On va devoir redescendre. On n'aura pas trop le choix. Ou alors on soigne, mais après, pendant le combat, on n'aura pas de soins. Fais choc mental et roue de feu. Ça va tuer. Oui, choc mental va tuer. Ah bah, roue de feu, voilà. Faudrait ça un peu rapide. Coup critique, allez, bim. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend? Bah ouais. Allez, on va se la jouer safe. Allez. On descend. Parce qu'il nous reste que deux rappels, si on les utilise là maintenant, on en a plus. Et pour le combat, on sait jamais ce qu'il peut y avoir. Si vraiment ils nous mettent un légendaire, on redescend. Ce serait dommage. Allez, ça va quand même vite. Allez, viens avec nous, victime. 7. Non, 7. 6. Ouais, c'est bon. Ouais, en fait c'est un peu long, mais ouais. C'est pas grave, faut bien le faire. De toute façon, on est arrivé au 5, maintenant on peut plus faire marche arrière, on a fait moitié. Ouais. Ça va, on n'a pas à se retaper tout le monde entre chaque. Si tu redescendais, tu remontais. Et quand tu fais les 100 combats, faut tout que tu remontes? Non. Non, il y a des paliers. À l'entrée, il me semble qu'elle te demande est-ce que tu veux retourner. Exact. À ton palier. Vous étiez de 30 à 50, est-ce que vous pouvez y aller? Ouais. Il me semble que c'est ça. ça me dit quelque chose. Allez hop, tu nous soignes et tu vas nous faire un steak frites. Mais ça entraîne vachement bien le Mont Bataille. Oui. C'est un bon endroit pour s'entraîner. Ça et le Colosseum de. Rod. Non, le truc sous. Targar. Targar. Non, Rod c'était pas. Ah oui, notamment. Rod en fait c'est des trucs genre stadium. Ouais, quoi. C'est ça. C'est Targar qu'entraînait bien, je me souviens. Avec son Latios au Colosseum de Rod et il nous avait bien déboîté. On a même réussi à le passer. À cette époque là on connaissait pas les EV, j'aimerais tellement y retourner avec des Pokémon avec les EV. En fait il y a une bonne nature et EV. En fait dans le jeu, on vous explique quand même, dans le Pokémon Colosseum il y a des Colosseums à faire, il y a Rod je crois, et Phénacite il me semble. Et on choisissait soit les Pokémon internes au jeu pour se battre, ouais. Et donc c'était des combats niveau 100, enfin c'était des combats niveau 50 et des combats niveau 100, ou alors soit on pouvait importer les Pokémon qu'on avait sur notre cartouche. Et à cette époque-là, on jouait pas EV. Voilà. Et quand on a découvert ça, on jouait plus à.
on jouait plus à Pokémon Cosm. Mais on aime, j'aimerais bien tenter le coup. Ouais, à mon avis, ils sont Latios, l'autre, on l'aurait déboîté. Bah, avec des Pokémon EV, on aurait pu gérer une équipe badass. Oh, le mec trop musclé. Une patate dans le bide, je crois. Le mec musclé, quoi. Il me semble qu'il met une patate. Ah là, je te dis. Parce que tu crois que tu as une chance de gagner contre moi. Voilà. Parce que j'ai la flûte du temps, ok. Ah ah, la flûte du temps. Donc, c'est la bonne voie pour avoir la flûte du temps. Eh mec, on va te déboîter, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais, je m'en souviens. C'est un peu le mec musclé du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi il avait pas t'écarté comme ça? Ça va faire mal, tu sais. Ouais. Imagine, t'es obligé de te tenir comme ça tout le temps pour avoir le, pour imposer le respect en pose de sumo. Et son collier, c'est des Pokéballs. Ah ouais, c'est ses Pokémon, ça se trouve. Ah ouais, peut-être, tiens. Ils ont voulu faire un genre de truc Yu-Gi-Oh! Un petit peu, tu sais. Mais franchement, ça fait Goron, justement, ouais. Comme tu dis. Ouais, carrément. Ouais. Ça fait un truc Goron, ouais, c'est vrai. Admin Ombre d'Akim. Allez, let's go. Là, c'est du sérieux. On joue la flûte du temps. Là, ça devient. Qu'est-ce qui va nous sortir? Metang et Grolem. Ouh, le bah, Grolem va prendre cher déjà. Ouais. Avec la bulle d'eau. Déjà, là, ça y va fort. Metang, Grolem. Ouais. Metang peut pas grand-chose contre nous. Là, par contre, j'aimerais pas trop que ça fasse. Que je devienne obscur. Ouais, vas-y, bulle d'eau sur Grolem. Et charge noire sur. Berceuse Ouais, berceuse. Bon. Nickel. Déjà, on tape la bulle d'eau. Normalement. Ah, il va peut-être pas mourir, hein. Quoique. Ouah, ça va, cool. Ça tue. Là c'est de l'XP. Genre, se débarrasse. Ouais, là, carrément. On se débarrasse de problème. Flobio, type au sol, avec une tête de con. Psycho. La psycho. Sur Tilton, non? Ouais. Ouais, c'est SP. Ça va, ouais, c'est SP. Ça reste SP, mais tant qu'il y a plus d'attaque. Allez, faut que ça marche. Oh, c'est putain, bon. Putain, j'ai toutes ces berceuses de Tilton, ouais, quoi. Pas mal. Cool. Du coup, on va peut-être la garder, la berceuse, en fait. Ça dépendra des CT qu'on obtient aussi. Du coup, on switch peut-être, non? On met Mentali pour coller des psycho, enfin des chocs mentales. On envoie Mentali. Parce que là, des mentales, il peut pas faire grand-chose. En même temps, il est tout le temps non plus. Bon, on colle une berceuse sur le bureau. Mais qu'il endort tout le monde. Bah, s'il peut passer obscur, oh, ça m'arrangerait, comme ça, on l'appelle. Allez hop. Bah oui, tu fais dodo, mon petit pote. Écrasement. C'est normal. Bon allez, place obscure qu'on puisse t'appeler. Oh merde. Ah on va faire rater quand même. Limite on est content de rater, tu sais. Ah je me disais que berceuse ça ratait tout le temps. Bon on va changer. On va mettre le fleurisson. Change Tilton. Ouais, on va mettre le fleurisson pour coller nos roues de feu au Metang. Ok. À mon avis, quand il va se réveiller. Ouais. J'espère que la choc mentale va faire la moitié sur le Flobio. On puisse lui en refaire une et le tuer. Pas sûr. Ah ouais, c'est quand même coriace hein, ce truc. Oh, on dirait, c'est marrant, c'est vraiment un mini Lagron quoi. Ouais, tu ouais. sais, c'est vraiment Lagron mais en petit mignon quoi. Alors que Lagron il est plus en mode. Oh sérieux ou quoi? Il te réveille pas Metang. Non c'est bon. Vas-y, choc mental sur Flobio et du coup roue de feu. Ouais bah ouais. On va taper fort pendant qu'on est en vie. On aurait peut-être dû faire une tunnel. Non il a beaucoup de défense Metang. Où on aurait fini le Flobio en espérant un tour de sommeil en plus du Metang. Oh, ça fait mal, hein. Ah, j'adore son animation. Comment il revient, c'est bizarre. Il dort encore. On va contre l'écrase à coup de boue. Ah ouais, mais c'est pareil, c'est super efficace. Bah, ce qu'il fait sur Furisson, ouais, sur Mentali, non. Ah. Ok, bon. Bon, on a bien affaibli le Metang avec, ouais, carrément. C'est dommage, j'aurais bien voulu un petit peu d'XP sur le Furisson. Ouais. S'il pouvait passer 36. Non, c'est... Ouais, ouais c'est 36. On va mettre l'énergie. Parce qu'en fait là on a quand même des demi-évolutions, quand ils vont tous passer en évolution supérieure, là ça va, ça va gagner en puissance. Surtout, enfin c'est surtout les attaques en fait. Bah là oui. On a quand même Mentali avec choc mental. Choc mental sur Flobio. Et voilà, éclair. Ça va pas tuer. On a éclair, enfin. Éclair quoi. Éclair c'est vraiment de la daube. Même, j'aurais même préféré étincelle limite. Bah oui c'est plus puissant. Ouais. Éclair c'est 40, étincelle c'est 60, mais c'est, ça a 30% de paralysie étincelle. Bah ouais, c'est pas mal comme attaque. Ouf. Tiens les ruptes. On a des mentas derrière. Ouais, c'est vrai. Donc la griffe acier. Camrupt, il aime pas. Oh, elle est belle. Ouais, carrément. Bim. Bon, d'accord. Bah, on est type électrique, on résiste. Ouf, il monte sur attaque. Ouais, mais il va. Ah! Bah alors, mon gars. Ah, c'est beau ça. Bah alors, mon gars. Ça c'est quand même très beau. Ça va pas tuer, je pense pas. Non. Bon, mais au moins, il s'est paralysé, on va attaquer avant lui. Ouais. Et l'éclair va tuer. Bip, bip. Bah, le Camrupt, on va commencer à. Un choc mental. Hein.
Ouais. Oui, choc mental. Et la petite éclair. Oh, le fumier. Et le mec. Le abri. Le petit abri là qui fait du bien. Alors. Oh, voilà. Quand même. Ah, il est résistant en forêt quand même. Il est 38 hein. Ah. Yes. Ah. On dit là, ça glitch. Ça glitch l'axe. Ah, alors je suis là, ça va faire mal. Il y a vraiment une tête de chameau quoi, le truc. Bon bah tant pis. Bon, on envoie. Il pique un empêche, hein. On envoie des mantas. On envoie des mantas. Là, il commence à faire le ménage. T'inquiète, dans équipe, t'inquiète pas, la bulle d'eau, ça va l'éteindre, le camion. Ça va le calmer. ça va le détendre. Parce que feu, roche. Enfin, feu, sol. Voilà quoi. On tâche sur Camerup. Non, sur Métang. Bulle d'eau, ça le tue, Camerup. Ah ouais? Oui, mais bah, il craint x4. Hein. Oula, le son qui. Bug de son. Vas-y. Hop là. L'autre il est confus, il fait abri. Non mais. Comme, putain. Bon, ça tue. Tu m'étangues. En même temps, s'il fait abri, ça veut dire qu'il attaque pas. Donc... Ouais. À la limite, ça revient au même. Voilà, on monte à l'île. Ah, ça fait bizarre de voir de l'expérience. Vu qu'on joue avec des. Ah, Entei. Bon, il a une taille obscure. Ouais, ouais, sérieux ouais. Bah ouais. Alors là, par contre, lui, il faut le choper. Donc lui, il faut le paralyser. Bah déjà, faut réanimer l'énergie déjà. Ouais. Fais une bucle, Camerupt. Bizarre que ça bug la ouais, musique. Voilà. Ça bug... Non, tout à l'heure, ça buguait pas. C'est juste des petits problèmes de. Voilà, ça bug. Bon, plus, voilà. Oh. Au calme, déflagration. Ça va être tendu, hein. J'aurais préféré qu'on ait voit le miroir, enfin pas voit le miroir, mais non, pas protection, mais mur lumière. Là, ça aurait été vraiment utile. Bon, Cameron. En même temps, Entei peut pas grand chose contre notre Démanta. S'il a des attaques feu, ses spé, Démanta résiste quand même. Bon, bah lui, il est mort. Voilà, comme ça, maintenant, on se concentre sur le Entei. Il faudrait régénérer l'énergie pour la paralysie. Ouais. Par contre, faut pas envoyer l'énergie comme ça sur un switch, sinon il va se faire poutrer. C'est ça. Faut attendre qu'il nous bute Mentali. Avec Mentali, tu réanimes. Réanime avec Mentali. Tu réanimes l'énergie. Ouais. Alors. Le rappel, il est là. Par contre, Entei, il faut pas qu'il nous bute l'énergie en mode plus rapide, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Tu penses que la déflagration, ça le tue? Bah oui. À la moitié de la vie, comme ça, oui. Fais Buldo. Buldo? Ouais. Ça va pelter? Non. Non, non, attends, c'est Entei, hein. Il a masse de PV. C'est bien sûr. Il est vraiment stylé Entei quand même. Oui, mais par contre lui a purifié, c'est une. Lui c'est une tare. Ouais mais bon c'est Entei quand même mon gars. Enfin... Allez on va tenter, hein. Faut tenter de le paralyser là, le plus possible. Ou... Bah oh, sinon t'envoies Tilton, on soigne l'énergie à fond. J'envoie Tilton, je tente la berceuse au cas où il balance un truc sur Je serais toi, je soignerai. Ouais. L'énergie. Ou alors, ça dépend combien la bulle d'eau lui inflige en fait. S'il est en mauvaise posture. Lui refaire une, bah, je sais une, pas. Peut-être pas une bulle d'eau, mais non. Autre chose. Bah, fais une berceuse. Et On soigne. On soigne l'énergie à fond. Vaut mieux que l'énergie soit full vie, comme ça il pourra peut-être tenir une attaque. Et si on paralyse le Entei, on aura plus de chances, beaucoup plus de chances de le paralyser. Et de le snatcher du coup. Bon, bah voilà. Pas de berceuse déjà. Allez, putain, là je commence à stresser. On va lui mettre une bélier peut-être ou une charge noire. Ouais, une charge noire. Charge noire et cage éclair. Une charge noire, cage éclair, allez. Oh, lui il fait. Ouf. Oh. Ah, comme il fait trop mal. Oh le bâtard. Il va se tuer tout seul à faire des charges noires après aussi. Ah ouais, quoique, ouais. Et si on capture pas, faut qu'on recommence le combat en plus. Ah bah là. Au pire, on le tue. On va essayer de s'organiser. On a plus qu'un rappel. Ouais. Ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu. Parce que du coup, maintenant, qu'est-ce que tu veux lui faire en fait? Bah. En espérant qu'il fasse pas charge noire sur le. Ouais, on peut retenter le coup. C'est. Ouais, on le rappel est en bas. On va retenter le même coup. Sur l'énergie. Ah oui, l'énergie. Ouais. Il n'y a pas photo, on a qu'un rappel, faut qu'on le paralyse. Si on le paralyse pas, on pourra jamais le capturer, ça va être chaud.
T'essayes une idée? Ouais, je tente. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher, comme dirait l'autre. Comme dirait Jean-Claude Duss. Bon, à mon avis, là, c'est... Bah, c'est du légendaire, quand même, Entei. Bim! Ok! Bon, bah, on a Entei. Je pense que là c'est un coup de chat. Ouais, parce que je me souviens que dans ma version de GameCube j'en ai chié comme pas possible à le choper. Ah oui, bah tu m'étonnes que je te fais le nerf. Le mec on lui a tiré sur Entei. On lui tire sur Entei quoi. Le mec on lui prend 4000 Pokéballs, enfin 4000 Pokédollars. 4000 Pokéballs. 4000 Pokédollars, on lui chouard sur Entei. Alors mon gars. Bon bah voilà. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? On met le ferisson dans la boîte ou? Bah. Je sais pas, faudrait voir sa nature Entei. Mais ouais, bon, c'est ça, ouais. Même faudrait si... comparer les deux, ouais. Ouais. Mais bon, ça reste Entei quoi. Ouais, ça reste Entei. Ça reste Entei. Hein. Ouh, gros Entei. Ah, Scrob. Ah, c'est Scrob, c'est celui qu'on a battu près de l'hôtel dans la forêt sacrée là, machin truc bidule. Là, à mon avis, ce qui brille par terre, c'est la Pokéflûte derrière son plaid. Et t'as le pied sur la Pokéflûte, mec, on va souffler dedans. La flûte du temps, s'il te plaît. Ah, oui, c'est vrai. C'est pas la Pokéflûte qu'il avait, il est ronflex. Ah, vos orges. Tout n'est pas fini, nous produisons des Pokémon de plus en plus forts. Ouais, c'est ça, ce qu'on va voir, mon gars. Putain, le Entei du premier coup, mais what the fuck. Non, mais là, là, j'ai bien fait de tenter. Ouais, putain, carrément. Blaster le Haxeur. Et yes. Alors disque A. Ça, c'est la petite... Ah, ouais, disque A. C'est quoi le disque A, du coup? Le disque A, c'est... Ah, c'est lui qui va nous filer la flûte du temps, là. Ah, sûrement, certainement. Merci. Alors, mec, qu'est-ce qui t'arrive, mec? Eh bien voilà une expérience qui fut des plus pénibles, mais grâce à vous, j'en sors indemne. Merci beaucoup. Je m'appelle Sénèque. 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 Sénèque, quoi. Je suis un chef du secteur de montagne. Ah, c'est un chef, d'accord. D'accord. Je m'appelle Victime. Vas-y, passe tout. J'allais dire, je m'appelle Victime. Je m'appelle Victime. Vas-y, on lui explique ce qui s'est passé, s'il veut. Je comprends maintenant pourquoi ces criminels sont venus nous attaquer. Ouais, okay. C'est ça, tu comprends rien du tout, wesh. Ceci est une flûte du temps. On va pouvoir purifier nos Pokémon, ça c'est bon. Il paraît qu'elle permet d'appeler Celebi, mais rien qu'une fois. Rien qu'une fois? Apparemment, les... Ah bon, je pense qu'on peut l'appeler autant que ouais, c'est bizarre. On peut purifier comme on veut, attends, sinon du ça coup, lançons-nous. Ah, on va avoir un petit objet. Tenez, je voudrais... Ah non, je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut... y a plusieurs flûtes du temps. Il me semble. Bah, rien qu'une fois. Ou alors faut les recharger ou je sais pas. Comment... Je sais pas, dans mon souvenir, t'as une flûte du temps, c'est tout. Ouais. Bah, on va essayer de toute façon. On va essayer. Bon, bah, ouais, on va tester. On va voir. Je crois qu'il y en a plusieurs. C'était 47 caisses. Merci. Bon, qu'est-ce qu'il veut lui? Bien joué, dans ça, Carpier, puis. On s'en fout, maintenant on va à 5 machin truc. Des facettes. Ah, c'est lui, ouais. Le nom de la taille. Du coup, on va à 5 Maragd. Yes. Nos Pokémon, on va peut-être les soigner, ouais. Non? Bah, on va aller les purifier, je pense que ça va les soigner. Ouais, bah, si on peut en purifier qu'un, on peut purifier Meledica. Hein. Ouais. Ah oui, attends. Parce que là, on bah, je sais pas, j'ai l'impression. Ah, ça me dit quelque chose aussi. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs flûtes du temps. Bah comment, dans ces cas-là, que... Ouah, ah, on va peut-être pouvoir en gagner ou en acheter... Je sais pas. Genre en bataille. Oh, la petite victime. Oh, la petite victime. Oh, on doit la voir. Eh, la victime. J'ai entendu. Oh, non, mais... Eh, faut aller voir Adelbert. Mais... Eh, on veut purifier nos Pokémon, bordel. Attends, on va aller voir Adelbert. Il veut nous voir, le grand-père. Oh, le bébé. Genre, ils habitent dans la maison Mojo, quoi, tu sais. Voilà. Ah, vous êtes de retour, c'est bien passé, vous n'avez rien. Attends, on va lire un petit peu ce qu'ils nous volent. Puisqu'il y a pitié. Oh, victime, mais Blastou aussi, content de vous revoir. Comment ça s'est passé? Vous avez réussi à chasser les malfrats? Oui, bah oui, évidemment. Mais non, non. Je n'entendais pas moi, ma petite fille, et de toi non plus, Blastou. Ma petite fille, c'est une bosse. Non, et Sénec, vous avez donné plus du temps, mec, qu'est-ce que vous attendez? Allez tout de suite à la forêt sacrée pour appeler Célébi. Ok. Allez, on y va, du coup. J'oubliais. Pourrais-je avoir ton numéro de pas truc? PAD. Parfait. Quelque chose se passe, j'essaierai de vous joindre là-dessus. Ok, bon, voilà.
T'sais, en gros, il va se passer un truc, quoi. Ouais. Attention, Claire Chazal, c'est la journée télévisée. D'après les autorités, il existerait un terrible groupe secret qui comploterait conquérir le monde. Il pourrait y avoir une relation avec la récente abondance de rapports provenant de différentes régions et concernant des Pokémon dangereusement, machin. Dangereusement, brutaux. Brutaux, et nous émettrons un bulletin spécial, ok. Ok, c'est bien, merci. Ok, ta mère, si tu veux. Allez, on y va, on va dans la forêt, dans le bois sacré. On va aller purifier. Du coup, bois, la forêt sacrée, ça fait vraiment Zelda. En plus, là, tu gagnes une flûte du temps, et puis tu gagnes Entei. Là, t'es là, est-ce que je la garde pour Entei? Est-ce que. Non. Ah. Mais non, mais Ditika. Ah oui, c'est sûr. Mais surtout que l'Entei, il est carrément long à. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, toi, tu veux des patates, toi. Ah, nous file la boîte à parfum, non? Ah non. Et voilà, nickel. On a la boîte à parfum. Nice. Cool. Non, c'est pas là. Voilà. Non, mais j'y vais tout seul. Allez, d'accord. Bon alors, boss. Je t'avais bloqué en haut, quoi. La victime. J'y vais tout seul, mec. Oh, ça court vite. Alors, est-ce qu'il va venir, papy, avec nous, là? Qui, papy Dumbledore? Ouais. Non, je crois pas. À mon avis, oui. Eh, récupère le truc par terre, là, ah, ouais. Voulez-vous le lire? Non. Ouais, merci, salut. Ok, un Pokémon dans le conjoint pour pas s'ouvrir. Ah. Bah, Meditica. Allez. Yeah. Ah non! En fait, on peut les dépurifier comme ça, et la flûte du temps, ça purifie entièrement. C'est un Pokémon. Ça. Et il y en a pas des masses. C'est ça. Donc on peut purifier Entei si on a envie, en fait. Avec une flûte du temps. Est-ce qu'on garde pas la flûte et puis le Entei on lui enlève déjà si quelques barres histoire de... de voir sa nature et tout. Ok. Ouais, d'accord. 34. Pas tant que ça, hein. 35. Ah non, d'accord. Ah oui, non, 36. D'accord. Je croyais que c'était tous les niveaux d'un coup. Un ruban. Et là, on peut renommer. Ah oui, on renomme ou pas? Alors, comment on va l'appeler? Alors, tu mets des noms d'abonnés? Noms d'abonnés? Allez hop. Là, j'ai pas de nom comme ça qui me viennent, on va l'appeler. Tu vas sur ta chaîne, tu prends ta dernière vidéo, les premiers commentaires de ta dernière vidéo. On va l'appeler. Ichiko. Allez. Alors. H I non. I I S H S H I K.O. 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 Comme les Lopez. K.O. Ichiko. Oui, ça nous convient. Très très bien. Allez, en plus ça va très bien un Meditica. Ouais, ça fait assez combattant. Ah, il a pas évolué. Bah merde, c'est 37, c'est 37. Oh, à un level près. Ah bah vas-y, on va tous vas-y, démonta. Dis ton nom. Je crois pas. Démonta, je crois pas non plus. On peut pas. Je ne crois pas. Il est pas à fond encore. Le l'énergie. Ah. Par contre, lui, il est au niveau 40, genre en phare. Enfin. Oh là. J'espère qu'il va récupérer une attaque électrique bien. Ce serait cool. Alors. Oh, oh. Merci, ça, c'est bon, ça. 7000 points d'expérience. Pas mal. Hein. 31. 32. 32, c'est tout. C'est tout, il y a du level à prendre, hein. Oh, il est venu au 32, je croyais que c'était 40, moi. Oh bah oui. Bon bah nice. Ah bah là, tonnerre et puis Farampe, là, première évolution qu'on voit dans le jeu. Ils sont belles, enfin j'aime bien comment... Ouais, c'est pas mal. Boum. L'environnement est cool. Ah, il est cool, Farampe. Putain, Farampe. Ça, c'est cool. Ça, c'est ouais, bon. Tonnerre et Farampe... Ah là. Alors, un petit surnom. Petit surnom, allons-y, on va l'appeler. On va l'appeler. Le nom d'abonné, comme ça, c'est pas facile à trouver. Retsu. Alors. R-E-S. R-E-S. Non, R-E-T, je veux dire. Retsu. S-U. Retsu. Boum! Trouve déjà des idées, réfléchis pendant que je vérifie. Eh, c'est pas facile, hein! Alors.
un Pokémon dans la conscience. Bah, je crois que c'est le Dementar. Hein. Non, c'est le Furisson. Furisson. Alors, j'ai déjà son nom. C'est bon ? Qui lui va bien en plus. Oh, ah, c'est vrai, la flûte du temps, c'est pour. Ouais, aussi c'est direct. Ouais. C'est intéressant pour Entei quand même. Ouais. Bon, ouais, mais. On peut pas le prendre tout de suite. C'est surtout que j'ai envie de savoir son sa nature. J'ai pas envie d'utiliser une flûte comme ça. Ah, cool, Zenith. Ouais. 31. Oui, c'est 36 qu'il évolue. Hein. 32. 33. 34. 35. Oh le bat. toi mec, t'as prendre cher. Alors, on va l'appeler Poco Fire. Ah merde. Oula. Oula. P O K O et après F I E R. Non, F I R E, je veux dire. Poco Fire, enfin, avec Fire dedans, un petit feu, c'est facile. Impeccable. Nickel. Et voilà. Il a récupéré quoi comme attaque? Ah, Zenith. Zenith, ouais. Zenith, Zenith. Je savais, il avait déjà Roue de Feu qui, ouais, qui est potable. Ouais, ouais. Putain, nickel. C'est le Pharaon, surtout, je suis content là. Pharaon. Ah ouais, putain. Pharaon, ça le gère tellement. Ça gère tellement pour Pharaon. Du coup. Ah, par contre, c'est. Ouais, il faut faire évoluer le Meditica. Ouais, il faut faire évoluer le Meditica. Il faut. Le Tilton, il en est où de sa barre? Le Tilton va bientôt terminer. Non? Non, pas encore. Ah, c'est. Démenta est presque terminé. Bah, tu t'as pris un parfum tout à l'heure, on peut lui donner à Démenta. Non, justement, j'avais pas pu en acheter, on avait pas de boîte à parfum. Ah, oui, c'est vrai. Okay. Ça marche. Oui, c'est vrai. Bah, là, de toute façon, on peut peut-être aller. Là, je sais pas où est-ce qu'il faut aller du coup. Bah, là, je pense qu'on va soigner nos Pokémon et arrêter l'épisode. Ouais, ouais, vu qu'on a un peu. On a pas mal avancé. Ouais, ouais, ouais. Donc, alors, c'est Tilton Dem. On va faire comme ça. On va essayer de faire évoluer Meshika pendant Que Démenta, qu'on baisse son obscurité. C'est ça. Et ensuite, on fera Tilton avec avec un Pokémon qui a l'expérience la plus basse. Ça marche. On va soigner. Et voilà. Et on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 12. C'est le 12. Déjà. C'était le 12. Ouais. C'était le 12. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. On a pu purifier nos premiers Pokémon. Et oui. Et du coup, le Pharaon, ça fait plaisir quand même. Ah, le Pharaon. En plus, il a appris tonnerre, nickel. Le Pharaon, tout ce qu'il faut. Niveau attaque spéciale, il est pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Défense spéciale aussi, PV pas mal. Cage éclair, ça va bien servir pour choper les Pokémon obscurs. Carrément. C'est cool. Manquerait plus qu'une autre attaque spéciale sympa, mais je sais pas ce qu'il apprend. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce let's play vous plaît. Ça fait beaucoup de plaît. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode numéro 13. Des bisous tout le monde, salut! Ciao!